Salut mes chers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer notre vidéo de français, l'oral, topic conversation number one. Hello students, hope you are fine. We are going to continue our French speaking videos. Today, we are going to discuss the topic conversation one for episode four, les vêtements. The topic is les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements? Hein? Outfit, clothes. D'accord? Les vêtements. That means what you would like to, hein, to wear. D'accord? On commence. As normal, we start with the introduction about the French speaking exams. The test will include three parts, role play, one topic conversation, and another topic conversation. The preparation time is 10 minutes. We are going to discuss today the topic conversation number one. But it's not allowed to write any notes or to take any notes during the test. D'accord? On commence. Les vêtements. Premièrement, les questions. What are the questions that can come to you that we can predict? You understand? All of this are predicting for the exam. D'accord? Hein? La question numéro un. D'habitude, qu'est-ce que tu portes comme vêtements à l'école? Normally, what outfits you go, you wear for school. Numéro deux, fais une description de ton vêtement préféré. You can describe your favorite outfit. Numéro trois, parle-moi de la dernière fois que tu allais faire du shopping. When did you go last time to buy clothes? Qu'est-ce que tu as acheté comme vêtement? What did you buy? D'accord? Where did you go and what did you buy? D'accord? Numéro 4, dans l'avenir, in the future, est-ce qu'il sera important pour toi d'acheter des vêtements à la mode? Pourquoi? Is it important for you in the future to buy fashion outfits and why? D'accord? Do you like, you have to say, do you like fashion, that is the fashionable outfits or not? D'accord? Numéro 5, à ton avis, quels sont les avantages de porter un uniforme scolaire? What is the advantage to wear a school uniform and what are the inconvenience? D'accord? Because some schools, they wear uniform, it's obligatory to wear uniform scolaire and some others, it's not obligatory. D'accord? On commence à répondre. Je répète les questions une autre fois. D'habitude, qu'est-ce que tu portes comme vêtements à l'école? Fais-tu une description de ton vêtement préféré? Numéro 3, parle-moi de la dernière fois que tu es allé faire du shopping. Qu'est-ce que tu as acheté comme vêtements? Numéro 4, dans l'avenir, est-ce qu'il sera important pour toi d'acheter des vêtements à la mode? Pourquoi? Numéro 5, à ton avis, quels sont les avantages de porter un uniforme scolaire et les inconvénients? D'accord? I'm giving you some seconds to prepare for your answers. D'accord. Vas-y. Premièrement, les questions. D'habitude, qu'est-ce que tu portes comme vêtements à l'école? D'habitude, qu'est-ce que tu portes comme vêtements à l'école? I can say what you have to wear normally in school. Of course, un uniforme scolaire or non. Je porte, you can say, d'habitude, je porte une veste bleue, a blue jacket, une chemise blanche, a white shirt, une cravate raillée, cravate, a tie, un pantalon noir, a black pants, et des chaussures noires, black shoes. L'uniforme est nul, and you can say that I don't like the uniform. D'accord? You can say also, je porte un uniforme scolaire. C'est une veste bleue, une chemise blanche, des chaussures noires. If you don't wear a pantalon, you can say, je porte une jupe. If you are a girl, je porte une jupe bleue. You have to mention the outfit and the color, of course. D'accord? The outfit and the color, it's important. That means that les vêtements, you have to know les vêtements, des chemises, des cravates, des pantalons, des chaussures, all kinds of vêtements, and the colors also, blanche, noire, bleu, d'accord? Très bien. Fais une description de ton vêtement préféré. What is your favorite outfit? I will say, mon vêtement préféré,
We have many outfits, d'accord, pour sortir avec mes amis, to go out with my friends, d'accord. I have another outfit pour aller au club. I have another outfit, par exemple, pour sortir avec mes parents, d'accord. We will mention some. Mon vêtement préféré pour sortir avec mes amis est un pantalon bleu, hein, blue pants, une capuche rouge, a red hoodie, et des baskets Adidas noires and some trainers black. D'accord? This is for to go out with my friends. Pour aller au club, to go to the club, je préfère porter, I prefer to wear. Porter is to wear. Hein? Je préfère porter un short bleu, a blue short, un t-shirt rouge, a red t-shirt, et des sandales bleues, and blue sandals. D'accord? You can change whatever you want. I'm just giving you some advices. D'accord? Mon vêtement préféré pour sortir avec mes amis est un pantalon bleu, une capuche rouge et des baskets Adidas noires. Pour aller au club, je préfère porter un short bleu, un t-shirt rouge et des sandales bleues. D'accord? Numéro 3, parle-moi de la dernière fois que tu es allé faire du shopping. Qu'est-ce que tu as acheté comme vêtements? What did you buy last time when you went shopping? When you went shopping? La dernière fois ou la semaine dernière, I mentioned when, la semaine dernière, je suis allé au centre commercial, I went to a mall called Galleria avec ma meilleure amie Sally, with my favorite friend Sally. Et j'ai acheté une jupe noire et un sac bleu. I bought une jupe noire et un sac bleu. Also, I can mention the material. Une jupe en soie, d'accord? A silk jupe. Une jupe en coton, in cotton. Une jupe en laine, d'accord? All the material. Also, it will be so good for you to answer with the material. That means that I mentioned the outfit itself, d'accord, par exemple, une jupe. I mentioned the color et I mentioned the material. Une jupe en coton, une jupe en laine, une jupe en soie. D'accord? Très bien. Numéro 4, à l'avenir ou dans l'avenir, est-ce qu'il sera important pour toi d'acheter des vêtements à la mode? Would you like to buy a fashionable outfit? I will say, non, pour moi, les vêtements confortables sont plus importants. Comfortable, hein? Outfit is more important for me, more than fashionable, hein? Vêtements. Quelquefois, les vêtements de marque, sometimes I would like to buy brand names, hein? Vêtements sont trop chers. It's so expensive. Les baskets à la mode sont assez importants, mais elles sont chères aussi. Okay? It's important to have some brand names and fashionable trainers, but it's sometimes expensive. Dans l'avenir, j'aimerais acheter des chaussures Adidas et des capuches Puma. Ça serait durable et élégant because it's durable. Durable, that means that it stays for a long time. D'accord? If you buy brand name outfit, it stays for a long time and it's elegant aussi. D'accord? It's elegant. Je répète, if it's important for you to buy fashionable, you can say oui. Don't follow my answer. You can say oui or non. Pour moi, les vêtements confortables sont plus importants. Quelquefois, les vêtements de marque sont trop chers. Sometimes it's expensive, so expensive. Les baskets à la mode sont assez importants. It's important for me to buy brand name and fashionable trainers or shoes, mais elles sont chères aussi, but it's expensive also. Dans l'avenir, j'aimerais acheter des chaussures Adidas et des capuches Puma, hein? Ça sera durable. Why you would like to buy brand name outfit? Because, parce que ça serait durable et élégant. Durable et élégant. Durable and elegant. D'accord? La dernière question, la question numéro 5, à ton avis, quels sont les avantages de porter un uniforme scolaire et les inconvénients? What are the advantages to wear a school uniform and the inconvenients? D'accord?
Porter un uniforme scolaire est convenable et facile. It's convenient for me and it's easy. Pourquoi? Ça évite le racket et la jalousie entre les étudiants. C'est très important. Because it stops bullying and jealousy between the students. Because maybe I am a rich person and I buy Puma, Adidas, Nike, and I have another student with me in class that he cannot afford this outfit. For this reason, it will not be good that I wear all my brand name outfit, d'accord? But to wear outfit, brand names outfit, but to wear the uniform scolaire that give you the sense that we are equal, d'accord? Students are equal, all of them, they wear uniform. D'accord? Porter un uniforme scolaire est convenable et facile. Ça évite le racket. I said racket is bullying. Ça évite le racket et la jalousie. La jalousie, that means that envy between the students, entre les étudiants. D'accord? On the other hand, what are the inconvenients? Cependant, on the other hand, quelquefois c'est moche et de mauvaise qualité. Et quelquefois, sometimes, the uniform is not good, moche, that means it's ugly and it's bad quality. C'est ennuyeux de porter le même uniforme chaque jour pour une année. It's boring to wear the same uniform every day for 1 year. Same, same, same. It's boring. D'accord? Je répète la question. À ton avis, quels sont les avantages de porter un uniforme scolaire et les inconvénients? Hein? La réponse. Porter un uniforme scolaire est convenable et facile. Ça évite le racket et la jalousie entre les étudiants. Cependant, on the other hand, quelquefois, sometimes, c'est moche et de mauvaise qualité. Aussi, c'est ennuyeux de porter le même uniforme chaque jour, chaque jour, chaque jour pour une année. D'accord? I hope that it's easy. Hein? J'espère que c'est facile pour vous. Hein? On se voit à la prochaine. Salut mes chers, hello students, hope you are fine. We are continuing our French speaking topics. Today's topic is the conversation number two, à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire à la maison? À la maison, it's at home, d'accord? The topic is at home. On commence. Like we, huh? Repeat every time, our French speaking test will be divided into three parts, role play and two topic conversation. We finished the role play for episode four, the topic conversation one, and now we are going to discuss the topic conversation two. D'accord? Ready? À la maison, at home. D'accord? On va lire. We will discuss the question first, the five questions as normal. Numéro un, combien de personnes habitent chez toi? How many persons are living with you at your house? Numéro deux, le soir, que fais-tu dans ta chambre? At night, what do you usually to do in your room? D'accord? The activities that you do in your room at night. Numéro trois, qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère chez toi? Do you do housework? D'accord? Do you help in housework? What are the house tasks that you did recently? You have to mention and when. D'accord? Numéro 4, penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage? To help in housework, in cleaning the house. D'accord? House, work. D'accord? Do you think that the young people must help their parents in housework and why? Numéro 5, où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Where would you like to live later in your life? And what is your ideal house? Comment serait la maison de tes rêves? D'accord? Your dream house. D'accord? Je répète la question une autre fois. Combien de personnes habitent chez toi? Le soir, que fais-tu dans ta chambre? Qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère chez toi? Penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Pourquoi? Où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Et comment serait la maison de tes rêves? D'accord? On commence à répondre.
Premièrement, combien de personnes habitent chez toi? How persons lives with you in your house? D'accord? Of course, that differs. Il y a, I can say, il y a cinq personnes, il y a deux personnes, il y a quatre personnes dans ma famille. And I have to mention the members of my family. Mon père, ma mère, ma grand-sœur, mon petit frère et moi. D'accord? Again, I repeat, il y a cinq personnes dans ma famille. There are five persons in my family. Mon père, ma mère, ma grand-sœur, mon petit frère et moi. I can add ma grand-mère, my grandmother, my grandfather, mon grand-père. D'accord? You can mention what are the members of the family that lives with you. D'accord? Or if you are not with your family, you can say j'habite seul. J'habite seul, d'accord? J'habite seul. Seul, that means I live alone, or with my classmate, d'accord? Avec mon copain de classe, d'accord? Numéro 2, le soir, que fais-tu dans ta chambre le soir? What do you normally do in your room? Le soir, d'habitude, also I have to mention that. The adverb first. Le soir, d'habitude, je regarde la télé dans ma chambre. I watch television. Or je fais le devoir. I do homework. D'accord? Je regarde la télé. Je fais le devoir. Je fais le devoir. D'accord? I study in my room. J'étudie mes leçons. J'étudie mes leçons. D'accord? That means I have many answers. If you want to say the three, it will be perfect. D'accord? Je regarde la télé, je fais le devoir et j'étudie mes leçons dans ma chambre. D'accord? Numéro 3. Qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère? Now, the topic is the tâche ménagère. D'accord? Housework. You will say, d'habitude, j'aide ma mère le week-end. Normally, I help my mother in the week-end. J'aide ma mère le week-end. Le week-end dernier, last week-end, what did you do? J'ai aidé ma mère à faire la cuisine. I helped her in cooking. J'ai fait la vaisselle. I washed dishes. J'ai passé l'aspirateur. I vacuum. D'accord? Je répète. How verbs in the past? Trois. D'accord? J'ai aidé ma mère à faire la cuisine. J'ai fait la vaisselle et j'ai passé l'aspirateur. It's important. D'accord? Numéro 4, penses-tu que les jeunes doivent aider les parents à faire le ménage? Do you think that young people or youth, d'accord, les ados, instead of les jeunes, I can use les ados. Les ados, that means teenager. Les ados doivent aider les parents à faire le ménage? Oui, c'est important. Surtout, especially when the parents work, because they need help. Quand les parents travaillent. Faire le ménage donne de la responsabilité aux jeunes, d'accord? To housework, give the responsibility to the young people, d'accord? Give them responsibility, give them the meaning of the responsibility. Numéro 5, où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie et comment serait la maison de tes rêves? That means that we have here two questions. The first one question, where would you like to live later in your life? Dans l'avenir, j'aimerais voyager en Italie. I would like to travel to Italy. Je voudrais acheter une maison au bord de la mer. I would like to buy a house at the seaside et y habiter. It's important to mention y habiter. Dans l'avenir, j'aimerais voyager en Italie et je voudrais acheter une maison au bord de la mer et y habiter. What's the meaning of y habiter? To live there. E equal there, d'accord? But it will help you to get a good mark to use some preposition like this, d'accord? And what is your ideal house or dream house? Ma maison idéale serait, it will be, not now, it's a future, serait une grande maison, a big house, avec un petit jardin, une piscine, cinq chambres, cinq salles de bain qui donnent sur la mer. Qu'est-ce que ça veut dire qui donnent sur la mer? That means that it's at the seaside. My dream house, ma maison de rêve or ma maison idéale. Same meaning. Ma maison de rêve, ma maison idéale serait une grande maison avec un petit jardin,
une piscine, cinq chambres et cinq salles de bain qui donnent sur la mer. D'accord? J'espère que c'est facile pour vous et vous avez bien compris. On se voit à la prochaine. Bonjour mes chers. Hello students, hope you are fine. Aujourd'hui, on va continuer notre French speaking video. We will continue our French speaking video, episode number 4. D'accord? We will start by our role play. Today is a role play. Topic is une soirée au théâtre. Une soirée au théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire une soirée au théâtre? That means that you want to spend a night or to go out for a theater. D'accord? Une soirée au théâtre. As we mentioned before, our speaking test will include three main parts, the role play that we are discussing today. Topic conversation number one, topic conversation number two. D'accord, on commence. Une soirée au théâtre. The conversation is between two friends, you and your friends. That means that when we talk to speak, we say toi, we say tu, we say tu. D'accord, it's a amical, une conversation amicale. That means at, as friendly conversation. D'accord? Le scénario, votre ami est en vacances chez vous. You have a French friend. He is spending the vacation at your home. Vous voulez organiser une soirée au théâtre. You want to go together to the theater. Moi, je suis votre ami. D'accord? Je commence la conversation. It's the teacher who starts the conversation. D'accord? We will discuss the question premièrement. La question numéro un, le théâtre est à quelle distance de chez toi? À quelle distance? That means that how far is the theater from our or your house? Numéro deux, alors comment on va au théâtre? How we are going to go to the theater? Numéro trois, quelle sorte de spectacle est-ce que tu as vu la dernière fois que tu allais au théâtre? When did you go to the theater the last time and what kind of show did you see? D'accord? Did you see some, did you see a movie? Did you, no, not a movie, a theater, that means a pièce de théâtre, that means that a play, d'accord? Numéro 4, en général, tu préfères le théâtre ou le cinéma? Do you prefer theater or cinema? D'accord? Pourquoi and why? Numéro 5, où voudrais-tu aller manger après le spectacle? Where would you like to eat after the show? D'accord? Et pourquoi veux-tu manger là-bas? And what are the reasons you choose this place? D'accord? Maybe I choose an Italian restaurant, an American restaurant, d'accord? A French restaurant. You have to say why you would like to go there. D'accord? On commence. Je répète les questions une autre fois. Hein, c'est une conversation entre deux amis, d'accord? Deux amis, une conversation amicale. La question numéro un, le théâtre est à quelle distance de chez toi? Comment on va au théâtre? Quelle sorte de spectacle est-ce que tu as vu la dernière fois? En général, tu préfères le théâtre, le cinéma? Où voudrais-tu aller manger après le spectacle, d'accord? Où voudrais-tu manger, aller après le spectacle. D'accord. On commence. Le théâtre est à quelle distance de chez toi? How far is the theater? You can say salut ou bonjour, le théâtre est à 5 km de chez moi. À 5 km de chez moi. D'accord? You can say le théâtre est très proche. Très proche. That means it's so near. Très proche de chez moi. You can say far, et très loin, proche is near, and loin is far, d'accord? Proche de chez moi, ou à 5 km de chez moi, proche, near de chez moi, d'accord? Comment on va au théâtre? How we can go to the theater? We can say, we can mention any moyen de transport, les moyens de transport. On va à vélo, on va en bus, on va à pied, we can go walking because it's near. On va à pied, on va en bus, c'est rapide et pratique. It's practical and easy, d'accord? And it's fast.
Numéro 3, quelle sorte de spectacle est-ce que tu as vu la dernière fois que tu es allé au restaurant? What did you see last time when you went to the restaurant? You mentioned when? La semaine dernière, last week, je suis allée au théâtre avec ma sœur. I went to the theater with my sister. Nous avons vu une pièce de théâtre. We saw a play qui s'appelait L'avare de Molière. L'avare, it's a very famous play, it's the Avare of Molière. D'accord? Nous avons vu une pièce de théâtre. You have to mention what did you see? Une pièce de théâtre, a play, what was the name? Qui s'appelait L'Avare de Molière. D'accord? Numéro 4, en général, tu préfères le théâtre ou le cinéma? You can say, moi, à mon avis, d'accord? Je préfère le cinéma. I like cinema more. C'est plus amusant et plus émouvant. It's more, interesting, more émouvant. That means that makes me, happy. C'est plus amusant et plus émouvant. Or you can add, j'aime, ou j'adore, je préfère et les films d'action, les films d'aventure, d'accord? For this reason, I like cinema more, d'accord? C'est plus amusant et plus émouvant, d'accord? Numéro 5, où voudrais-tu aller manger après le spectacle? Where would you like to eat after the play? Après le spectacle, je voudrais aller manger dans un restaurant français. Why? J'aimerais, I would like to taste, j'aimerais goûter les steaks frites et la soupe aux champignons. I would like to taste steak with French fries and mushroom soup. D'accord? Après le spectacle, je voudrais aller manger dans un restaurant français. You can mention, je voudrais manger dans un restaurant italien. J'aimerais goûter des pâtes et des pizzas, whatever you would like to eat. J'aimerais goûter les steaks frites et la soupe aux champignons. D'accord? Je pense que c'est facile. D'accord? Et on se voit à la prochaine.